Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, ce que je veux de voir et qui se trouve ici, c'est un truc hors du commun, les frères. Aïe, 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 je suis vraiment étonné quand même. Regardez bien l'écran. Qui peut me dire ce qui se passe ici? Que se passe-t-il ici? Un pasteur a été surpris en train de coucher avec la femme d'autrui dans l'église. Où? Dans l'église. Regardez ça au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'église qui est là-bas dans la première image. Et il y a le pépitre, le pipitre, comment vous appelez ça? Là où on appelle la chaire, là où le pasteur s'arrête pour prêcher là. Et une femme de, je ne sais pas si c'est une femme de l'église ou bien une femme du quartier, hein? Elle est passée et elle a vu une scène X dans l'église. Elle s'est dit, mais what? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Du coup, elle a pris son téléphone, hein? Elle s'est mise à filmer. Et devinez qui c'est? Apparemment, ce serait le pasteur lui-même. Le pasteur en train de coucher avec la femme de quelqu'un. Derrière la chaire, derrière l'endroit où ça arrête, pour prêcher. Hein? Et voici le résultat. Les images sont apparu sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous faire entendre ce qu'elle disait. Écoutez. Là, elle venait de voir le pasteur, elle venait afin de le filmer par les persiennes. Vous voyez, non? Et elle court maintenant pour essayer d'entrer par la porte, comme dans la première image. Et vous allez voir ce qu'elle m'a dit. Là, c'est sûr, c'est pas un coup pour entrer dans l'église comme ça. Elle est à la porte. Et. Elle dit, ah, je vous ai attrapé, ah. Et voilà, là, elle dit, ah, ça fout. Là, il dit, ah, elle dit le nom du bazar en même temps. Écoutez. On ne peut pas vous montrer ces images parce que c'est une scène, c'est une is. Si j'ai mis la première image, c'est parce qu'on ne voit pas grand-chose. Sinon, le pasteur est derrière, la femme est devant, et puis les deux sont en train de faire les choses comme ce que vous connaissez. Elle a surpris le pasteur en train de coucher avec la femme d'autrui dans l'église. Devinez ce qui se passe là-bas. Devinez vous-même ce qui se passe là-bas. Ils ont tapé, tu connaissez. Ils ont tapé le pasteur. Ça dit sur la scène. Donc les gens sont-ils me frapper en même temps? Peut-être que c'est le camarade au mari de la femme, mais peut-être que c'est le mari de la femme. Une fois le pasteur a demandé pardon.
Seigneur Jésus. Là, le pasteur n'a plus de bouche. Il n'a plus de bouche pour parler aux démons. Il n'a plus de bouche pour chasser le démon. Parce que le démon l'a attrapé. Vous voyez ce que les agents du diable font, non? Est-ce que vous voyez un peu ce que les agents du diable font? C'est là où je vais vous dire un truc. Si vous êtes un vrai chrétien, ou bien un pasteur, sachez que le combat dans lequel vous êtes, c'est un combat vraiment très grand. Et de ce combat-là, vraiment, il va falloir être très fort. Très fort à tous les niveaux. Hein. Parce que si vous n'êtes pas fort à tous les niveaux, ce serait vraiment difficile. Et il va falloir être dur sur soi-même. Il va falloir prendre des mesures aussi. Hein. Si vous ne voulez pas tomber dans une telle situation, homme et femme, là, il n'y a pas d'amitié. Dès que les deux sont seuls dans la chambre, quelque chose va arriver. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, en tant qu'un pasteur ou bien un chrétien, vous devez éviter certaines choses. On ne peut pas prier pour chasser cet esprit, l'esprit de l'envie de coucher avec une femme. Qui peut prier pour ça? Donc, il faut juste simplement ne pas créer l'attraction, ne pas créer les conditions afin que ça ne puisse pas arriver. Sinon, hein, si les conditions sont réunies, même moi-même, ça peut m'arriver. Même vous-même, ça peut vous arriver. Donc, à distance, ne créez pas les conditions. Mais ça, je parle pour des gens qui sont vraiment bien, qui ne veulent pas tomber dans le péché, qui font un effort. Mais il y a certains pasteurs qui prennent un malin plaisir à coucher avec les femmes d'autrui. Coucher avec les femmes des gens. Et les femmes des gens aussi, ils aiment bien ça. Oui. Vraiment, c'est bizarre, cette affaire d'église. C'est bizarre. Est-ce que Dieu se trouve encore à l'église? Question. Question. Est-ce que Dieu se trouve-t-il vraiment à l'église de nos jours? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser. Vous-même, regardez. En tout cas, moi, vraiment, pour vous tout vous dire, je ne le condamne pas. Je ne peux pas le condamner pour une chose que moi-même, je sais que si j'étais dans sa position, peut-être je ferais pire que ça. Ou bien, peut-être je ferais pire que ça. Peut-être que vous aussi, vous ferez même pire que moi. Tout ce qu'on peut dire, c'est les frères et sœurs, le diable vous cherche. Si vous lui donnez l'occasion seulement là, il va mettre votre cuir dehors. Oui. Oui. La moindre opportunité, la moindre occasion, surtout le sexe. Je vous ai dit, et je le redis encore, je vous ai clairement dit ici que le sexe, c'est vraiment une chose très, très grave. Parce que le sexe donne accès à beaucoup de mauvaises choses dans votre vie, par exemple. Quand vous avez le rapport sexuel contre nature, le rapport sexuel qui représente le péché, ce qui se passe, c'est que vous pouvez recevoir l'humiliation, vous pouvez recevoir la honte aussi. Et puis, vous pouvez mourir. Ce sont ces trois éléments majeurs qui sont derrière le péché sexuel, le péché X. Regardez le monsieur, lui, c'est pas la femme, c'est pas sa femme. Et on la tape avec l'autre, à la femme de tout. Les gens l'ont filmé déjà sur tous les réseaux sociaux. L'humiliation a commencé. Il faut avoir honte. Maintenant, d'amener le monsieur en train de frapper le monsieur en train de le frapper. Peut-être que c'est le mari à la femme, on ne sait pas. Bon, si le monsieur le frappe jusqu'à ce que ça tourne mal et qu'il reçoit un coup et puis bon, il tombe et il meurt. On va dire quoi? Il y a la mort dedans. S'il y a bien une chose qui correspond à ce qu'on dit, genre le salaire du péché c'est la mort, c'est vraiment le sexe. Je pense bien que c'est
Aussi, encore beaucoup plus, même à cause du sexe, quand on a dit que vraiment le salaire du péché, c'est la mort. J'ai fait un tour, j'ai essayé de regarder ce que les gens font, hein, par rapport au sexe et tout ça. Non, j'ai vu du grand n'importe quoi. Je me suis dit, vraiment, les rapports sexuels que les gens ont aujourd'hui là sont comme des rituels. Pour moi, c'est comme si je regardais des gens faire de la sorcellerie. On voit des gens qui couchent avec des femmes dehors, en plein air, des gens, des femmes qui lapent les sexes des gars, des ceci, des hommes qui couchent avec les femmes par la muse, même les pasteurs sont dans ça, des pasteurs qui lapent les sexes des femmes. Vraiment, tout est mélangé. Tout est mélangé. Et on doit, Dieu doit descendre pour venir nous éduquer par rapport à cette affaire de sexe-là. Voire même, il a qu'à carrément enlever sa main sur notre chemin parce que moi, je me demande à quoi ça sert. À quoi ça sert? Dieu a dit que le sexe est fait pour un but, pour qu'on se reproduise, non? Oui, mais les humains veulent avoir les humains veulent avoir un goût dedans. C'est-à-dire, les humains veulent qu'il y ait un goût dans le sexe. Souvent, ils se parlent, ils se disent, ah, est-ce que c'est sucré? Ah, est-ce que c'est beau? Ah, est-ce que c'est bon? Il y a quelle affaire de sucré dans cette affaire? Si tu as bien quelque chose de sucré, il y a du sucre à la boutique, mon frère. Il y a du sucre à la boutique, ma soeur. Il n'y a pas de sucre dans le sexe. C'est fait pour se reproduire. Le savez-vous? Moi, je suis le gars, il a été couché à la femme de Dieu. Et c'est ton enceinte. Ou bien il a utilisé quoi? Les préservatifs. Hein? Mais en tout cas, là, on l'a attrapé. Les gens l'ont attrapé. Vraiment. Il y a quoi au mari de la femme? Tu as beaucoup pleuré. Et vraiment, c'est ainsi, c'est grave. La femme qui trompe le mari. C'est chaud, hein? C'est ainsi, là. C'est vraiment chaud, même. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, priez pour vous aussi, même. Priez pour vous-même aussi. Ne dites pas, ah, les pasteurs, ah, les pasteurs, vous aussi, comme si vous-même, là, vous ne pouvez pas pécher aussi. Moi, en tout cas, moi, je reconnais devant Dieu et devant vous, mes frères et sœurs, que à la place de ce pasteur, peut-être que je ferais pire que ça. Mais quand même, quand on veut pécher comme ça, là, il faudrait qu'on soit un peu intelligent. Mais c'est même la preuve que même le sexe, c'est une chose terrible qui contrôle les gens. Il y a un pouvoir terrible là-dedans. Le pasteur n'a même pas pensé au fait que ça allait dans l'église, ça à gauche, à droite. Lui, c'est bien faire les choses en même temps. Tchè, 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 tchè. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait faire les choses chap-chap. Alors qu'il ne sait pas que quand vous êtes un pasteur, quand vous êtes un vrai chrétien, il y a les caméras de surveillance de la sorcellerie sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire rapidement. Quand vous êtes un chrétien, ou bien vrai croyant, et que le diable vous cherche, ce que le diable va faire, c'est qu'il va installer des caméras de surveillance de la sorcellerie sur vous, en permanence, pour savoir où vous allez et ce que vous faites. Et dès que vous serez dans le péché, ou encore, dès que le diable va découvrir que vous êtes en erreur, et qu'il vous trouve une belle opportunité là pour venir vous attaquer. Ce qu'il va faire, c'est que il va apparaître comme s'il était là il y a très longtemps, il attendait juste la bonne opportunité. C'est comme quelqu'un vous cherche depuis longtemps, vous lui avez ouvert cette porte là-bas, la personne va venir à mettre à son téléphone pour vous filmer, vous exposer, pour salir votre nose, alors que c'était c'est juste au-delà seulement que vous êtes tombé dans le péché, c'est la première fois que vous tombez dans le péché comme ça. Mon ami, je le dis, il n'y a pas de première fois, il n'y a pas de deuxième fois. Si tu cherches, hein, il va t'exposer, même si c'est la demi-fois. Même si tu n'as pas encore commencé, lui, il te cherche. Moi, vraiment, j'ai subi beaucoup de choses dans ma vie. Il y a certaines choses vraiment que j'ai faites, mais je demande pardon à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, par rapport à ça, là, ça peut arriver à tout le monde. Vous devez vraiment prier
pour cet homme, afin que Dieu le délivre. Afin que Dieu le délivre, quoi? Afin que Dieu le délivre du pouvoir qui est derrière le sexe. Parce que quand un être humain arrive jusqu'à se lever, hein, jusqu'à coucher, même dehors, même comme ça, vivre comme ça veut dire que le diable est entré. Ça veut dire que le diable est passé, même il est entré jusqu'à la scie même de la maison du monsieur. Et il a donné le fait de nombreux dégâts. Vraiment, s'il y a bien une chose contre laquelle vous devez vraiment vous méfier, hein. Méfiez-vous du sexe. Le sexe. Quand tu es marié et tu es avec ton mari, il n'y a pas de problème. Quand tu es avec ta femme, il n'y a pas de problème. Mais rien balaie si tu fais ça avec une servante ou bien une fille à côté. C'est comme si les démons t'attendaient. Surtout les gens comme moi. Les gens comme moi, tout le temps, ils vous parlent. Je vous dis, les frères et sœurs, regardez, c'est le péché, c'est pas une bonne affaire. Fuyez le péché. Surtout les gens comme moi. En tout cas, mes frères, moi, je vous dis, si un jour vous découvrez que je suis tombé dans le péché et tout ça, tout ce que vous devez faire pour moi, hein, ce n'est pas de m'exposer, ce n'est pas de me critiquer, ce n'est pas de m'insulter. C'est juste de prier pour moi. Prier pour moi. Hein. On ne sait jamais vous dire en même temps. Actuellement, moi, je n'ai pas de histoire. Mais ce n'est pas parce que ça va que je lui ai dit que je suis le plus fort. Ah, lui, il était dans les conditions où il y avait des gens autour. Nous, ici, là, on se voit à distance. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on cause et tout ça. Vous êtes à distance. Alors que lui, c'est vis-à-vis. Il était en contact avec ces gens. Donc, beaucoup de choses pourraient se passer, mais il faut être vigilant. C'est pourquoi je vous ai dit que vraiment, avant de devenir un homme de Dieu, hein. Avant de devenir un homme de Dieu, je dis, il faut vraiment passer par le désert. Dans le désert, là, dans la souffrance, là, tu découvres vraiment des choses qui cassent ta chair un peu. Au point où, hein, quand tu arrives à un certain niveau où Dieu te dit, c'est fait, je peux maintenant t'envoyer pour me servir, pour parler aux gens, là, tu seras vraiment prêt. Moi, vraiment, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à résister à la tentation. Avant, c'était difficile pour moi de ne pas regarder. En fait, difficile pour moi de ne pas regarder les films X et puis me masturber. Mais aujourd'hui, ça va même beaucoup. Ça va beaucoup même. Je bénis Dieu d'être. C'est là qu'il voit que Dieu peut changer l'homme. Dieu peut changer l'homme. Mais vraiment, méfiez-vous du sexe parce que vraiment, ces défis sont graves. C'est l'un des plus grands démons que j'ai combattu. C'est-à-dire que le pasteur qu'elle a là, tous ses fidèles doivent le mettre à genoux pour lui dire, hey, toi, la viens te mettre à genoux, c'est après pour toi. Après pour lui, c'est un démon de Poitou là. Démon de Poitou, sors de ce corps. Pasteur, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça, si on les a pas encore attrapés. Vous là, arrêtez ça, ou bien trouvez le moyen de pouvoir arrêter ça. Il y a certains qui sont accros à ça. Oui, il y a certains mecs qui ont eu même enfant dans ce genre de péché là. Eh Seigneur. Vraiment, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous là. Je vais tomber sur cette information. Pour moi, c'est assez rigolo, mais c'est la réalité. Eh pasteur, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Jésus! Jésus! Jésus, oh pardon! Délivre ce pasteur! Du pouvoir du sexe! Seigneur! Femme d'autrui! Mais quand même, il faut avoir des limites. Hein. Moi, même quand moi j'étais dans le monde, j'avais quand même des limites. Faut pas coucher avec la femme d'autrui. Faut pas coucher avec un garçon quand on est un garçon. Faut pas coucher avec une autre femme quand on est une femme soi-même. Il y a des limites comme ça, il faut se les poser. Il ne faut pas coucher avec un animal.
Comment une femme peut-elle aller coucher avec un cheval? C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais le péché, c'est ça. Le péché, c'est l'œuvre des démons. Donc les démons vous poussent et ils peuvent vous pousser à tout. Et c'est le résultat qu'elle a. Mais après, le regret va venir. Ça, c'est pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Sinon, ceux qui ont l'Esprit du diable, ils ne le mettent pas. Bon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez.